Nous avons donc été déclenchés aux alentours de 14h30 pour une pirogue qui se serait renversée. Nous avons donc pris les moyens du SDIS, l'Alouette, pour nous rendre sur les lieux. Nous avons pris contact directement avec la police surinamienne et par l'intermédiaire de la douane qui nous ont confirmé que la pirogue avait coulé. Elle était trop chargée et donc elle a coulé et il y avait 3 victimes. 2 ont été récupérées par une pirogue qui traversait et la troisième victime qui serait un jeune d'environ 13, 14, 15 ans qui était un peu plus éloigné quand ils ont essayé de venir au contact de lui a malheureusement coulé. Donc avec l'aide de la gendarmerie et de deux policiers du Suriname, nous avons fait une large boucle pour essayer de faire des recherches fluviales. Et il faut noter qu'il y avait aussi qui a été déclenché l'hélicoptère Dragon du SDIS qui était sur les lieux, en contact direct avec nous. Et nous avons maintenant malheureusement à 16h50 fini les recherches fluviales qui n'ont pas pu aboutir à retrouver cette personne.